Tovey et moi avons de nouveaux motifs. Puis-je voir tes marchandises ? Ce sera tout. Je dois partir. À bientôt. Au revoir. Joins-toi à moi. Ensemble, nous forcerons les portes de la halle du Père de toutes choses. Bon sang. J'ai l'impression que tellement de temps a passé. Valka, mon ami. Tu es la bienvenue ici. Comment vas-tu ? Très bien. Je suis là. Et ta mère ? Ma mère a trouvé la paix. Enfin. Elle marche dans un monde qu'on ne voit qu'en rêve. Et ce, pour l'éternité. C'est ce que nous espérons tous. En effet. Viens. Et ta traversée ? Elle a été exaltante. Les vagues et le vent nous ont aidés dès le départ. Mouette, et toi, comment vas-tu ? Au-delà de ton apparence austère, je vois dans tes yeux une lueur qui me fait chaud au cœur. C'est peut-être une forme d'espoir. La colonie grandit, les gens sont heureux, et moi, j'aspire à plus de choses. Et tes visions ? Elles vont et elles viennent. Mais oublions cela pour l'instant. Laisse-moi t'aider avec tes affaires. Par ici, nous t'avons trouvé un endroit agréable au pied de la colline. Pendant tout mon voyage, j'ai essayé de m'imaginer à quoi ressemblerait cet endroit. Et tu étais proche de la vérité ? J'ai vu les arbres, l'eau et cette colline. Mais je ne pouvais croire que tout serait si vert. C'est une couleur magnifique, apaisante. Un soulagement pour des yeux baignés de sel. Valka ! Par les dieux, qu'est-ce qui t'amène ? J'espère que ce n'est pas une malédiction sur la colonie. Ha ! La seule malédiction de cet endroit, c'est son grand nigaud de forgeron. Rare est le sentiment que de traverser la mer et de se sentir chez soi. Cet endroit dégage un pouvoir. De la vie. Pressens-tu de grandes choses pour nous ? Je n'ai pas besoin de les pressentir. Elles sont dans mon cœur. Valka, c'est bien toi. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps ? Je voulais m'assurer. Dès que je serai installé, il faudra que nous parlions, Ranvi. Et avant que mes bras ne tombent par terre, qu'est-ce que je porte, là ? Mes réactifs les plus lourds, quelle question. Du plomb, des fanons de baleine, des paillettes d'or. Oui, fais-le travailler un peu. Voilà ce qu'on veut voir. Tous ces gens que tu as amenés ici, cette vie que tu as bâtie sur ce rivage étranger, cela te plaît ? Oui. C'est un bonheur de savoir que j'ai bâti cet endroit et assuré la sécurité de ces hommes. Tu parles d'abord de toi en répondant à ma question. Ce qui en dit plus long que tu ne le penses. Salve, Eivor. Ad meliora. Bonjour. Et qui est cet homme ? Je n'en ai aucune idée. Eh bien, ça ne manque pas d'animation ici. Regarde là-bas.
Ta maison est droit devant nous. Parle-moi de tes visions. Elles sont toujours les mêmes. Rien n'a changé, mis à part leur clarté. Chaque fois, les choses que je vois ressemblent moins à des rêves, et plus à des souvenirs. Et le père de toutes choses t'apparaît-il toujours ? De temps à autre, oui. Il s'adresse à moi aussi, mais... cela paraît fou quand j'en parle à voix haute. Je comprends. Tu peux poser ça là. Merci. Nous y voilà. C'est beau. Aussi beau que tu l'avais dit. Dès que je me serai installée, nous pourrons nous repencher sur l'objet de tes visions. Valka, je t'en prie. Tu as un don, Ivor. Tu es une sorte de messager des dieux. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Je connais peut-être un moyen de clarifier tes visions. Un élixir qui pourrait ouvrir la porte de la contrée des dieux. Si tu penses que ce serait utile, je peux terminer ta maison moi-même. Il me faut simplement du temps. Je t'en serai reconnaissante. Merci, Ivor. De rien. Et... bienvenue chez toi. Fera l'affaire. Merci, Eivor. Tout pour que tu te sentes chez toi. Aider les autres me fait me sentir chez moi. Et si nous revenions à l'objet de tes visions ? Oui, si tu penses que cela en vaut la peine. Il me manque un ingrédient pour l'élixir que je te destine. Cherche autour de l'étang, là-bas, et tu trouveras ce qu'il me faut. Une fois prêt, cet élixir t'aidera à plonger plus loin dans tes visions. Afin qu'elles deviennent plus claires.
J'ai les plantes qu'il te faut. Bien, bien. L'élixir sera prêt dès que je les aurai ajoutées. Le boire te fera accéder à la sagesse du père de toutes choses. Tu emprunteras le chemin d'Odin et vivras ce qu'il a vécu il y a si longtemps. Prépare-toi à voyager vers une autre époque. Un autre plan. L'élixir est prêt. Tu lui trouveras un goût exécrable, mais il t'ouvrira l'esprit aux vues et aux sons des neuf mondes. Les prophéties des Nornir sont aussi claires que le jour. Les Æsir sont condamnés. Tout Asgard est condamné. Répétez ce dernier passage. Les frères s'affronteront, et ils s'entretueront. La demeure des dieux sera rouge de sang. Un âge de tempête. Un âge de loup. Non, pas ça. Plus loin. La prédiction d'un loup. D'une bête puissante. Le loup Fenrir hurle avec rage devant les portes de Hel. La bête se libérera de ses liens. Et moi ? Qu'en est-il de moi ? Alors survient le deuxième grand malheur. Lorsque Avi affronte le loup et tombe face à Fenrir. Et tombe face à Fenrir. Voilà ce que vous voyez. Votre Avi périra. C'est ce que nous voyons. Nous connaissons ton sort, ta destinée. En as-tu appris assez, ô très sage ? Vous trois, vous tissez nos destinées comme les fils d'une étoffe. Mais la trame peut être victime d'accrocs, de déchirures. Tout ne peut être prédit. Mais les fils perdus seront retissés, renoués. Au point du jour, la tapisserie sera préservée. Je ne suis pas un fil qu'on manipule. Je suis Tréau, apôtre de l'extase. Je suis l'adversaire du loup. Et mon existence est éternelle. Les énigmes ne font qu'embrumer mes pensées. Une tempête s'annonce. Elle ne gronde pas dans les nuages, mais au cœur des profondeurs. Est-ce là notre dernière bataille ? L'avènement du Ragnarok ?
Nous devons mettre au point une stratégie face à ces envahisseurs. Face à la mort, on ne peut se contenter de frapper. Qui a défoncé le crâne de Trimir, le roi de Jotna? Qui a tué Gaeon, le gigantesque, avec une boule enflammée? Oui, oui, et ce furent des exploits. Mais le passé, le passé. C'est de l'avenir que nous devons décider. L'avenir ne se décide pas, il s'étrangle. Par Mjolnir, je traquerai ces envahisseurs jusqu'aux confins d'Asgard, s'il le faut. Pour laisser nos demeures sans défense? Sans ton marteau, nous ne tiendrons pas longtemps. Sans péril, pas de gloire! Par les bourses de Buri, nous sommes des Asgardiens. Nous ne rôdons pas comme des elfes, nous combattons! Nous combattons, oui. Pour notre foyer, notre blême qu'un marteau est incapable de régler. Cite-moi un! Ravi, résous cette querelle. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle invasion? De guerriers du Jotunheim. Et ils nous attaquent de toutes parts. Pendant que nous restons là, des fourmis dans les fesses! Non, Thor. Les Æsir ont été dépêchés aux confins d'Asgard. Il ne reste que nous quatre pour défendre la Grande Halle. Avi, prête-moi quelques-uns de tes guerriers et je les mènerai moi-même au Jotunheim. Nous ne pouvons nous priver d'une telle force. Les Einherjar doivent rester pour défendre la ville. Moi, je les ferai venir ici, pour tenir la Grande Halle. Cette invasion est trop vaste pour que nous nous dispersions. Toutes ces jacasseries ne mènent nulle part. Combattre ou mourir! Silence! Vous tous, nous irons porter le combat chez l'ennemi avant qu'il ne franchisse le Bifrost. Bien dit, toi qui nourris les corbeaux. Nomme-nous ceux qui combattront à tes côtés. Un seul suffira. Toi, Tyr, seigneur de la justice. Nous unirons nos forces et épandrons les ennemis. Je serai le fléau et la faux devant ce champ de blé. Vous autres, votre tâche est de défendre la Grande Halle. Y avait-il des créatures avec les Jotnar? Des trolls ou des loups? Avi, quel est ton trouble? Qu'annonce donc ta clairvoyance? D'autres envahisseurs! Ils se rassemblent au pont Bifrost! Où est Loki? Il devrait garder ce passage! Avertis les autres, le combat commence. Je suis avec toi, Ravi. Il est temps de les punir. Guerriers, avec moi. Les autres, gardez la Grande Halle. Avec moi, j'offre cette bataille. Par des enchantements! Que leurs illusions disparaissent avec eux! Du sang pour Asgard! Allez saluer Jörmungand! Comme ça.
vitesse. C'est. Je ne nous apparente du service non plus. Non, tu te méprends. Je n'étais pas un Yotun. Je le faisais passer en route pour une autre contrée. Aurais-tu dit la même chose si les Yotnars l'avaient emporté? Bien sûr. Avi, j'ai trouvé celui-ci dans l'ombre, à l'écart des combats. Dois-je lui arracher les dents pour le faire parler? Ou lui crever un œil? Ton travail était de garder cette porte, Loki. La porte s'est ouverte et les soldats ont déferlé comme une marée. Alors j'ai envoyé un message. Et j'ai capturé ce misérable, un berger aux joues flasques. Quel est ton nom, étranger? Beaucoup m'appellent le Bâtisseur. On te demande ton nom, pas ton métier. Si j'ai un autre nom, je ne m'en souviens pas. On m'appelle Bâtisseur depuis que je construis des choses. Qu'es-tu venu faire en Asgard? Consoler mon égo meurtri. Les Jötnars n'ont pas apprécié mes talents à leur juste valeur. Et donc, tu estimes qu'Asgard le ferait? Ai-je eu tort de croire les tiens détenteurs d'une sagesse sans bornes et capables de saisir une occasion aussi rare? Ave, à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Et en sa qualité de cheval, tu devrais passer la bride à celui-ci. Est-ce vrai, Bâtisseur? Es-tu un cheval offert ou une malédiction déguisée? Rien de tout cela, très sage. Je ne suis qu'un outil qui brûle d'être bien utilisé. Cela fait longtemps que cette porte n'est qu'une source d'ennui. Je veux qu'elle soit scellée. Je te ferai respectueusement remarquer que ce n'est pas le seul moyen d'envahir Asgard. Puis-je proposer une solution plus complète? Nous avons essayé sans succès toutes sortes de barrières. Qu'est-ce qui te fait croire que tu pourrais contenir des géants, ou pire encore? J'ai vécu parmi les géants, et découvert leurs faiblesses. Mon bouclier réussira là où les vôtres ont échoué. Si vous doutez, je peux vous proposer une démonstration? Une démonstration, oui. Et s'il ne nous impressionne pas, sa peau fera une bonne voile.
J'accepte ces termes, avec une seule et unique condition. J'ai besoin d'eau provenant du puits d'Ourde. Que sais-tu du puits sacré ? C'est un lieu de grand pouvoir et de magie vitale. Une source spirituelle, c'est son eau qui donnera pouvoir à votre bouclier. J'irai chercher cette eau, Abby. Qu'il reste à l'écart de nos sites sacrés. Loki, attends. C'est moi qui irai au puits. Trouve plutôt une clairière pour la démonstration du bâtisseur. Cela ne me dérange pas, Abby. Va avec le bâtisseur et fais à la grande halle l'annonce de notre prochaine étape. Comme tu le souhaites. Une offre intéressante. Une coïncidence étrange. Montre-moi.
Eivor. Oui. Je me suis senti comme... arraché. Ne dis rien pour l'instant. Tu y reviendras une autre fois. D'accord. Quand j'y serai prêt.